أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك مِنْهَجَهُمْ الى يَوْمِ الدِّينِ. فر شرفاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله نورميرسيون الله سبحانه وتعالى كي ديباسا غراص وسا ميزيل كورد نو des membres de la communauté qu'ils qualifient de meilleurs. Chers frères, chers sœurs, la fois dernière, nous avons parlé d'un plié très important en islam qui est la zakat. Et nous avons essayé de donner l'historique de la zakat, c'est-à-dire dans quelle période la zakat... Fut obligatoire et nous avons donné aussi la définition de la zakat et nous avons donné des versets et des hadiths qui viennent nous donner la zakat en islam et enfin nous avons donné la philosophie de la zakat. Aujourd'hui, Incha'Allah, nous allons parler d'un deuxième point qui est le statut du contribuable de la zakat c'est-à-dire les conditions que doit remplir celui qui doit s'acquitter de la zakat inshaallah qu'allah nous donne la bonne compréhension dans un premier temps celui qui doit s'acquitter de la zakat doit être musulman parce qu'il faut le savoir Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la zakat, il s'adresse exclusivement aux musulmans. Le non-musulman n'a pas l'obligation de donner la zakat. La zakat est une affaire du musulman. Et voilà pourquoi, la fois dernière, nous avons précisé que la zakat représente l'un des cinq piliers fondamentaux de l'islam. Donc la première des choses à retenir, il faut être d'abord musulman. La deuxième chose des choses, la zakat est obligatoire au pubère. Le musulman qui n'est pas pubère ou bien le musulman qui n'a pas toutes ses facultés mentales en islam, la zakat ne lui est pas obligatoire. Ça veut dire qu'un enfant n'a pas l'obligation de s'acquitter de la zakat, ainsi que le malade mental n'a pas l'obligation de s'acquitter de la zakat. Et ensuite, il faut être un homme libre. Ça veut dire quoi Nous savons que au début de la religion musulmane, l'islam a trouvé un système qui était l'esclavage. Et l'islam avait adopté l'esclavage. Mais après, comme nous allons voir, de façon progressive, l'islam a essayé de bannir l'esclavage. Donc, à cette époque-là, quelqu'un qui était esclave n'avait pas l'obligation de s'acquitter de la zakat. Parce que l'une des, des conditions de, de l'esclave, est que l'esclave n'était pas propriétaire. Ça veut dire lui et ses biens appartenaient à son maître. Cela nous donne la bonne compréhension. Donc, et aussi, le bien, celui qui doit donner la zakat, doit être le propriétaire de cette fortune. Ça voudrait dire quoi Si moi, aujourd'hui, quelqu'un par confiance, Viens me confier sa fortune. Par exemple, viens me donner un million, deux millions. Il dit, Oustaz, il faut me garder cette fortune. Moi, je n'ai pas le droit de donner la zakat de ces un million ou deux millions. À moins que la personne me donne l'autorisation de le faire. Sinon, c'est à lui de s'acquitter de la zakat. Donc, pour que on puisse donner la zakat, il faudra que la fortune que nous possédons soit pour nous-mêmes. Ou bien le propriétaire même de la fortune vous donne l'autorisation de le faire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer, la fortune que celui qui doit donner la zakat doit atteindre le minimum imposable selon la nature de la fortune. InshaAllah, nous allons le voir. Lorsque nous allons parler du minimum imposable de la Zakat, parce qu'il faut savoir que, en fonction de la nature de la fortune, les conditions varient. Donc il n'y a pas une seule condition fixe, c'est-à-dire une seule condition pour tous. Par exemple, celui qui fait l'agriculture, les semences agricoles, les conditions ne sont pas les mêmes que celui qui fait, par exemple, l'élevage. Et les conditions aussi ne sont pas les mêmes que celui qui fait le commerce, etc., etc. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Pour terminer ce point, Inch'Allah, il y a une divergence entre les savants quant à l'enfant et le malade mental. Comme nous venons de le dire, tous les savants sont unanimes pour dire que l'enfant qui n'est pas pubère et le malade mental n'a pas d'obligation de donner la zakat. Ça, tous les savants sont unanimes là-dessus. Mais la divergence se situe au niveau, ou à quel niveau est-ce que celui qui est chargé de gérer les fortunes peut enlever la zakat, ça il peut prélever la zakat sur les fortunes. Sur cela, il y a une divergence entre les savants. Dans un premier temps, nous prenons Abu Jaafar et Ibn Hazm qui est un savant juridique en islam. Les deux la sont d'avis que on ne prélève rien sur la fortune de l'enfant ainsi que du malade mental. Parce que pour eux la zakat est une adoration. Cependant, elle a besoin d'une intention. Et le malade mental ainsi que l'enfant ne sont pas habilités à formuler ses intentions. Et de ce fait, ils sont exclus de la zakat. Et on ne doit pas aussi prélever la zakat sur les biens. Et encore, il donne comme preuve le verset que nous avons cité la fois dernière. Qui, dans lequel Allah wa demande au prophète wa salam, de prélever la zakat sur le bien des musulmans et que cela pourrait leur purifier ainsi que leur bien. Donc, ici, les deux savants et ceux qui sont d'avis, c'est-à-dire, et leurs alliés, disent que, étant donné que le malade mental n'a pas de péché en islam, et aussi, euh, comment dirais-je, euh, l'enfant aussi n'a pas de péché, donc pourquoi donner, c'est-à-dire prélever la zakat sur le bien et en le faisant, on va les purifier de quel péché Donc voilà un peu l'avis de ces savants. Mais la majorité des savants, tels que Imam Malik et Shafi'i et bien d'autres, eux ils disent que non, le malade mental ainsi que l'enfant c'est vrai eux ils n'ont pas l'obligation de s'acquitter de la zakat mais par contre celui qui gère leur fortune doit prélever la zakat sur leur fortune et ce faisant il se base sur un hadith du prophète alayhi salat salam l'hadith dans lequel et le prophète alayhi wasalam, dit il dit Faites le commerce avec la fortune des enfants et des malades mentaux. Car si vous ne le faites pas, de peur que la Zakat finisse leur fortune. Voilà pourquoi je dis toujours La jurisprudence, c'est comme ça. Donc ici, eux, ils se basent sur la 10. Ils ne tiennent pas compte de. Comment dirais-je du verset Ils se disent le verset, c'est vrai. Mais il faut comprendre que le Prophète sur qui connaît mieux ces versets là nous a donné encore une autre une, un, 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 un autre enseignement que sous-entend que nous devons donner la zakat. Et voilà pourquoi on ne on ne garde pas la fortune en islam, c'est détesté de garder une fortune sans travailler avec la fortune. Inch'Allah, prochainement, nous allons développer ce tank-là parce que ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Donc voilà, eux, les, ces savants-là, disent que oui, on doit prélever. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire à ces deux personnes, ça veut dire l'enfant et le malade mental, mais celui qui gère leur fortune a l'obligation de prélever la zakat et aussi a l'obligation d'investir. Leur fortune, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais quant à Abu Hanifa, lui dit, oui, il est d'accord que on prélève la zakat sur le bien de ces deux catégories de personnes, mais en condition que le bien soit un bien agricole. Ça veut dire, nous avons le, comment dirais-je, l'enfant, son père est décédé, il a laissé un champ pour lui ou bien il a laissé des troupeaux pour lui ou bien le malade mental également donc lorsque la période de la zakat arrive ou lorsque nous avons fait le semence la semence donc ici nous devons prélever la zakat sur ça donc voici on pourrait dire de manière brève la différence ça veut dire la divergence ou euh, l'avis des savants quant au prélèvement de la zakat sur la fortune du malade et un enfant qui n'est pas pubère, d'après les savants. Donc, la main, comme je le dis, la majorité sont d'avis qu'il faut prélever, que ce soit un bien commercial, que ce soit une fortune même que les parents ont laissé, que ce soit agricole, la majorité des savants sont d'avis qu'il faut prélever absolument. Parce que tout simplement, avec l'adis que le prophète wassalam, nous a donné, que je viens de lire, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.